www.congomasolo.com Kitoko avec Congo Dialogue assurance et puis makambo danger di série ezali obeko continuer bandeko nangai bandeko oyangai auto il sakigino kitoko sale la bino plusieurs émissions sur Mama Olangi ba obsèque naye kozwa quelques témoignages les apona koluka kubimisa oyo bokoze la ipana biso bandeko oyangai nenge to isakibino ke to ba polémique nenge ko salema kokota combat spirituel ezakobo ya famille. Est-ce que mama Olangi na papa Olangi bazaki en famille bazaki na relation ni na ba famille na bango ba mwa mituna bandeko nanga na sima ya kozwa moko ya bantoma na bango nous avons préféré approcher la famille mbote la bino mbote papa na lingi o présenté ndenge bo vandi bino boza banani. Oui, se présenter, mon toi se présenter, puis si comme on a et puis. Pierre, l'être papa Olangi. Cousin naie, tout l'équinaï. L'équinaï. Ok. Bon, maman. Ouais. Maman Osamba. Cousine, il y a papa Olangi. Ok. Bon, maman, vous. D'accord. Merci beaucoup. Na lingina zwa tokende directement na makamwango. Papa Olangi. Azala kinani pona bino. Mutu lokola membre ya famille to mutu abunga nzela akabwana na famille relation na bino en tant que famille na papa Olangi zala kindeni. Merci papa Lesien. Papa Olangi azala ki ndenge mutu yo sala ka grand frère ya baleki bene et kuna kana ngai Azalaki, la biso malam, yé moutata qui sanga classe banda humanité ti na université. Yéna mwasi na yé. Yéna fanda na bangu, banda Lubumbashi ti Kinshasa. Donc, relation avec yé malam, entre yaya na leki. Oui, mais relation Azalaki, malam entre yaya na leki na yé, mais entre temps, ceux qui. Tout s'est référé à témoignage, je me suis toujours dit ici, mais il y a qui que présence et la famille, nanda qu'on a bangou yango mutu, et c'est à quoi mobulu, au coup, ça vit sur notre histoire, ni les kaka na Lubumbashi, et puis il y a qui n'engue ni ni, et tu vois que des fois, ils ont coté les makolo, ils ont bêta, maman Olangi qui s'est mis qu'ils ont tombé. Oui. Ango bango ba uti poto basisi ba place bango basisi place na poto ba ye ni famille comme tous les africains et a bengi sa entre autres ngai na zaki na kati parmi balek wana kuna ya kutang place ni ya tia ni ba chuto pala ki na ye ni kakatano ezanga kate ngana kolo barakasyon ma pona ngai moko. Na zalaki na mikatano nanga mama moko ngai na mama rekuyu kanate mama wapi mama Olangi ouais pona ni mikatano wana zalaki ngai na famille na botamaki na ba condition moko ya coutume j'étais élevé na coutume na botana biso ngana zali 5e na libota wana. Il y a papa Olangi. Ouais. Papa Olangi a zaki quantième. Il est deuxième. Deuxième de la famille. Au total, il y a 8. Est-ce que vous pouvez faire un combo à 8 ou 1? Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un papa Olangi a un peu de temps. Il y a un sato. Papa Jérôme a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Maman Wal, Yamitan Ngai Pierre,
Sixième, Azali Mwasi, Azali Pe Awa, na Ekaterine Mbuchu. Après, Yemo Bal, professeur Njati, Alphonse, il y a Fala Kanapoto, mais Azali Nabiso A. Et Asuka, Maman Pauline. Ok, à Kadet. Après, Ngaï Moko, Zalaki Naïda Mikatanoana, on est tenu. Gana Zalaki chef de la famille Nanga. Instruction Nangaï. Chef coutumier. Chef coutumier, c'est-à-dire, il n'y a pas de la Gango, on a des mains. Je pense qu'il y a un Pakistan. Là, c'est un Madame Madame. Alors, on a des mains, c'est lui qui décide de tout dans la famille. Quand on ça passe par Yende, en quelque sorte protecteur de la famille. Alors, Yaya Bali, Bali Naï, il faut accorder un système et un aviso. Il y a les accorder un système et un aviso. Il y a un grand Naï, il y a un grand Naï, il y a un Naï. Voilà, maman Balobi, il y a un complété. Papa Olangi. Nani pona bino de manière sincère parce que ezakandenge to mesana te na mboka oyo we na mboka oyo to lobaka malamu ya mutu kasoji mutu akufi papa olangi azalaki nani relation ya bino belle famille na mama olangi ezaki ndenge ni Parce qu'à Zamoua, elle a libo sauté, à Zakoutou 5e, et à. C'est pas possible. C'est comme ça que lui, il est grand. Oui. Merci de vous avoir dit que le problème est que c'est lui qui décide. Donc ça dit, botami avec toi. Alors c'est quoi Baluki et Nandengi? Il y a mon coco. Quoi botam? On a déjà pour le moana, non? Moana. C'est quoi Dema? Dema, ça dit le côté tellement.
On a des stérilité partielle. Ouais. Stérilité partielle. Ok. Alors, les sikotam ouais pour votre mission à qui n'angonéni à conduire famille. Pour conduire famille. Donc famille on a la union sur les bottes, y compris pour Colombie. Lui quand il disait je veux ça. Il y a un des bossali. Il y a un bon des bossali. On a dit il faut bah maman va bien. Alors, il y a un des bossali. Pour ça au Kenya quand même là va sérieux. Je dis au Bengi. Tiens, y a grave. Habite au final on a voulu appeler. A voulu appeler. Ouais. Oh, il y a un salaire. On a des matières libraires. Ah, ouais, on a des matières. On a des matières. On a des matières. Ok, ok. Maintenant, papa Oulangi et maman Oulangi, Baouti, Poto, famille, Eye, Bango, Bakoti, parce que, ah, ouais, témoignage, na lingi bo pesa. C'est par rapport à Eloko Bisoto Ebeli, Oyo. Dès que Baloui, couple au langi, tu vois que bato bakabwana kana famille. Na lingibo pesanga ya bino relation na couple oyo. Ezala kindenge nini. Après batan wana ya ki ona dema. Bon, ti lelo zaka ona dema. Ti. Mais na mona option nyonso elongwa. O kata bien. O tigela nga ya. Eh na place wana fo truba boyi. Oui. Famille couple au langi bakabula na famille. Ce qui est en train expliquer, c'est que tu as dit pour comprendre et si tu as dit que 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 la civilisation na bango dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit tu as le bosso à mon aïe qui a ma bé maman l'ang. D'engagé toujours vivre net, il n'y a pas de bé. Pierre a le babou, il y a ça, ma cambo, babou. Ma cambo, il y a normalité. Il y en a le dit. C'est quoi, ma contradiction est bande. Tu es là, il y a un tété. À mon aïe, ce qui est au lit, il y a un abisoté, alors qu'il y a un abisoté à la masse. Si tu as la vérité, tu as vérité. Alors, il y a un gars qui a été. A bandit, qui tourne à de gauche à droite, il y a un gars qui a été. Il y a et malgré ça, il y a un gars de gauche à droite, il n'y a pas de marabout, il n'y a pas de solution à mon côté. Parce que tu n'as pas un gars, il n'y a pas un gars, il n'y a pas un gars qui a été. A Koussoukarak. Et après, il y a que non, on n'a pas de temps. Pour bon, de l'année, nous avons des solutions. Les mamans, il y a beaucoup de prières. Plus de 8 ans, on a connu la Kawana. Des âmes, il y a un jour, à l'Ipsie, non, on n'a pas cité, il y a un problème de gravité. Il y a des petits, mais des autres, qui sont là. D'abord, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. C'est le début, hein? Visionnaire, ministère de combat spirituel. Alors, tant que si quoi est commis, lumière dans la ténèbre. Donc, il y a un canadien, il y a le biboy, il y a le biboy. Il y a découvert Yes. On a découvert Yes, il y a un peu de coconut. Donc, il y a un canadien, il faut faire mon côté. Rien à faire, il fallait que le canadien. On a fait un canadien, il y a un canadien. C'est comme ça, on dit que le canadien, on a fait un canadien. Ok. Avant qu'il n'y ait le cas, et pas ma maman, parce qu'il faut qu'on a relancé Panayo. Au long de la maboko na bango, et puis il y a eu zonga. Na maboko na bango. Il y a eu zonga. Parce que, quand on a un gars na bango, on est à Malamu, on est à Mabé. Alors, pour un gars, il fallait na bo maman. Alors, na sala qui va pouvoir, on va na sala qui na yamé.
j'étais soutenu par la famille Nanga Bakoko, grand-mère Nanga Pé, Avraki Nanga Kizipé, na pouvoir au Basong, et Bapel Sanga pouvoir dans la Kenatina Basong. Oh. Oui. J'ai pas pouvoir ma case, donc il corrigeait des bangaïtés. On a décidé si que na bon ma maman. Mais na koka kité. Jour mo kona koti, jour on a décidé que na bon maï. Na sali ben ba situation na gagnance, ba kila kila na gagnance. OK, OK. Si j'allais na ba ere ya boy na koti na chambre ngai face à face na maman. Mais na yebite puissance ni ya ki neutraliser gagnant. Ma puissance na gagnance ici. Moi na sali vraiment exact. Boza na ye boy na bon moto. La foutaille dans la chambre, il a couché. Oui. Il était presque nu. Mais il a eu qui, mon président, tous mes pouvoirs neutralisés. Na télémi, na le bac à l'eau mon côté. Il n'est pas le bac à l'eau mon côté. Si dans mon esprit, tu n'as pas joué l'eau comme la chambre là-bas. Je n'ai pas radio, je n'ai pas dominé. Pas souriant. Donc, au lien de ma maman, des radios en a. Et puis, il n'y a pas de place. Il n'y a pas. Alors, comme j'ai échoué, je me suis dit que j'ai eu un pouvoir. Tu sais qu'il y a un autre. Un autre pouvoir, mon Dieu. Il y a un gars. Voilà là où j'ai pris conscience. On a eu un pouvoir. Il y a un gars. Il y a un gars. Maman, je suis pas là. Wana, tu es là. Voilà qui. On a des mains, on a des mains, on a des mains, on a des mains. Alors, tu veux qui témoigne? Nalimina yeba maman. Po, biso, et loco, nalimina comprendre, et loco, bozo benga coutume, oui. Parce que coutume, et ça, loco, moko, ou ta kana habitude, et loco, bat, basalaka, salak, n'engé na bang. Moni batete la, baliaka, et ponga la dies. Bakenda kaboui, mutetela wazakana kanda boui. Sokia uti, mbule betele na zamba eka linya koma na mboka, mbula wane katana komi tuba mbeli. Batetela wazakana denge wana. Qu'est-ce que vous entendez par coutume? Parce que coutume eza habitude ya batu. Coutume angweza denge nini? Coutume eza ya ke, mobali moko, mwasi na ya domine ye, bino fami mubimba ya mobali boke kokota neglize na ye. Après, ils ont mis Kinshasa.
Donc, l'engai naïe, naokoye bisokete depuis 1994, qui n'a sorti pas dans le ministère, naïe Papa les mandats. J'ai tracé. Tous les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. 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 Parce que au moins avec les mots, c'est quelque chose qui est difficile à définir. Vous comprenez ma tête. C'est ça les coutumes de notre famille. Mais depuis la tienne à Koloa, dès que l'émission, comment nous allons ensemble, dans le même ministère de Mauritanie, dans le même ministère du Sénégal, nous avons eu un bali si peu ban en abisso 8. Bazaka na combat spirituel, papa de Sénégal. Papa les aides, si quand tu vas au bas, mon fils, va au bas d'abord. Mais loco, ils allaient à maman l'année, à tiquer une bise loco. Amen. Parce que même un bisou, malgré même un toyage dans le ministère, pour que c'était qu'on y ait dans le ministère, vous n'êtes pas pour l'année, alors que tu as peut-être bon à vos pères, ça y est. Non. L'andan zambi nanga, n'est pas pour foutre. Quand il y a même un problème avec les grands frères, après, il sera toujours quelqu'un n'est pas maman l'année. Et maman, là, il résout les problèmes de la bise de vos réserves. Maman, là, il les faisait. Même avant, il y a une famille, à ce qui dans la voiture, na je recevais Peugeot au rouge. À des cas qui dans le pango, il y a un tout moko, pour en appuyer de sa bise, et t'es gonga, en zambé, et bête. Ce qui vous dit, il y a un camarade, un tout mioso, il y a un katsa. Puisque awa to yakande ko yeko la ko yakande ese école awa ezande école papa okoti ka l'église na yo batele l'église na yo mais o ya apo to ya ko se découvrir puisque l'église bazaka na tape njate ya ko détailler benza makambo ya vie ya moto papa kaka mikolo yo fa mikolo to mon pe ba adoration pe e komi partout combat spirituel pe se kontive na l'église mais c'est bien. C'est bien. Mais ah, va bien qu'à tout le monde, à cause de ce que vous faites pour que l'église n'a pas été le coup de temps. Ok, bien sûr, s'il vous plaît. Ok, il y a un insisté pour la boutique. Couti mes âmes à paix. Yo, couti ma lingue, moi, si je suis là, maman, je suis là, 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 Nanda konayo, vous bengi cousin nayo, pourquoi ça y va classe? Kaka yenda koya ko diverger, moi nanawe ya moisi. Ton cousin propre. Ecoutez ma babette ma boko. Yebi sangai, miloko. Zambi ni moko aboyi miloko. Oya ko lo bakerna, mou langa kabula kabula. Kaka koutine, c'est ça la koutine.
makambo ezo ulika na bandako ya bato ndi kusuku yebi yangu ndi mama utilipsi mwuka parce que nous aussi na famille na biso propre nous avons vécu cela j'ai vu la vérité ngai mwoko na vécu na lègue na ngai mwoko la scène parce que lègue na mwoko na vécu. Sa petite sœur aux cousines était est-ce que one est coutume ou bien zaka bisala sala et ya 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 papa ndela zala ki papa ba koyen di sala ko lo ba di kapwana te za na ko na bete lo ko le se siri boye siri tika. Ah, ça, ah, tapis, hein? Problème. Ah, si maman, il s'en a un, les qui n'aient pas un, les qui m'bandent, bon, solo là. Ah, ma papa, ton lit, mis à côté, Bible, il n'y a pas à côté combat. À côté combat. Si ton lit, mis à côté, ah, ça veut dire, ton lit, mis à côté, mis à côté, n'aient pas de tout, y'a pas de PCC. Ok, maman, tant que tu n'es pas là, tu as un dossier à Okota et Rote. Avant que tu ne te dises pas, avant que tu ne te dises pas, avant que tu ne te dises pas, mais maman, parce que j'ai comme impression que tu mingi balinga combat spirituel, les Zaka, maman. Parce que tu as conduit papa, moyen papa bouger, Zate, et Zaka, tu as lié à la famille. Et alors que biso va papa to linga moi diversité aux moi misili lobi au lieu moi pondu eh moi ndakala pembeni to linga ndengwa donc selon yo couple ou langi lelo tozolo bela bozolo bela bango parce que basi ba kufi to biloko wana bozolo ba iza biloko yake réellement ba to wana ils ont servi nzambe selon bino famille. Kolanda mwenye kolanda zaga na ndenge, ezana kolanda ndenga normal, ezana kolanda ya gwa. Edingwa zana biloko na ye, benda kabatu. Ba pasteur mususu pepa zaga na babor na bango. Na ndenga normal. Paso ki muta monike, ezama na muta kolanda te. Oh, yoyo kaki sango ya teke, eh mama, zelena na fusa na fibeni. O batu bayo kebile. Yoyo kaki magamu teke, profesi mwoko kumachike, ba pasteur ya lukuta bako sila na libeti. Na yoyo kaki. Kekoza la yamote. Nandenge nini pesa biso nan concretement yake talane ya za la kitalingo nan ou bien mama ou bien bozo lo bakapo na obate la bonne bini ko bate la te parce que ko bate la te ou li ke loko la mande ko les heures na yana ministère pe na yeka le de ko na kufi ok zo mon ko ni bolingo est-ce que nandeko na bango za liko nyata na ko nyata para ba ko bambunde ti situ si pa zana jan na ko nyata na nyata te pona balia ya famille de nan en tout cas côté ya yoka ko biso sto la dinza mbika ko na ye ana gina mu katolike la dinza mbika ko na papo la ki wala ka util gumba shi wana iko ti a biso na nzambe malamu famille mo bimba biso nyoso to mwana wa katolike to ta na nzambe malamu wana mama to basa wala bo kimi ono di pere di chese biso sto ko mi na nzambe malamu. Ah, alors que oh ils avaient bien, ils ont monté, tellement. Ou alors bien aux autres, on a déjà bien ma bise au cagabou.
y a des choses ici. Papa, tu as pas na yo? Mutuna, maman, mutuna ano lo baki? Il a répondu na mutuna ngwa. On est tous pour notre sous africain. Oui. Ils allaient leur coyo. Par contre, leur coyo va voter malayango. Va voter na biso. Ils ont quel type les locaux plus bien. Et bien la catégorie. Ils avaient ma gamme. Nous sommes derrière ma gamme. Y a ma belle allée, y a ma belle. C'est une vie de victoire en Jésus-Christ. On arrive à Kondi, Ezali Nakatia, Ephésiens, chapitre 6, verset 12 à 17. Alors, combat, il y a un dé. Et apprendre le bisou, ma lame, la bébé, il y a un dé, quand il y a ma botte. Maman, je vois qu'il est resté. Il y a un message révélé, il y a un combat spirituel. Pour aller là, il y a un dé, il y a un dé. Il y a un dé, il y a un dé. Et on a besoin de réviser Nanda comme maman, c'est lui. Mais ceux qui vont découvrir Nanda, la commune vous a mis canne pour aller à Maman Kolonga, parce qu'elle a maîtresse de la maison. Et on a besoin de bagne, on termine la vie à vous. La boîte n'a pas de Kolonga. Moi, ça, quand même, beaucoup. La colère à Nzambe, Nani, le lien, les alliés, dans notre union surtout. Attends, pas de Mindele. La lien, il s'est dit. Le ministère chrétien comme spirituel, les Européens, Bazali, même les Chinois, Bazali, Barasse, nous sommes aussi. Bazali, ministère représenté dans 5 continents où ils ont la serment. Maintenant, on va continuer. Mais Mbébé, où t'as qu'à Wapi? Mbébé, où t'as la coutume, n'est-ce que c'est qui? Le papa, là, il est consacré. Pour être à son cas. Bisso, aïe libota. Ah, c'est l'obsédé. Tant qu'on a les bitumba, et coquima. De ce commune, pour que vous n'avez pas de bébé, n'abonnez-vous à aïe, comme monis. Et pas une aïe, à pécier un message pour vous. Parce que d'abord, le ministère, qu'est-ce que vous avez dit, monsieur Adé, ministère, il y a couple. Tant que c'est une lingouane, ma maman, aïe. Ou à bien ici, femme si. Si Manango, papa, il y a un peu de temps. Et là, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Papa, il y a un peu de centre pédia mondial. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de papa, il y a un peu de temps. Papa, il y a un peu de temps. 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 Il y a un peu des bengami, il y a que ça qu'on passe sur YouTube. Il y a ma branche et des. Oui, mais papa, nana lingina comprendre le comment place wana parce que tango ba kolobela coutume na combat spirituel. Ils ont bloqué coutume et bloqué ka coutume sala ka soki ndenge ni. Papa olangi baboti na ye baboti. Batangi se classe. Batinde ti na poto ko tanga. Wana na ebinzambe te. Wapi ziko kutime koti la nandenga mabe na kati wana. Parce que batangi se klasi. A evolue. Oko mwona mtu meme soki asambe la kate. Aliki baboti na ye. Sanki akota na komba spirituali. Me papa ulangi. Eza kaka na kutime wana. Azo lia loso. Azo sala nini. Atangi klasi. Pe ya ke ya komiti na poto. Nde azongi. Siko kutime. Plasa angu. Nazo komprendre te. Plasa angu kutime. Soki zo kote. Professeur Mbote. On le baga lingala, je pense. Oui, pour vino ma professeur vous a compliqué. Ah, tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Professeur, vous en avez par rapport à papa Olandi. Je suis le cadet des garçons. Oh, le cadet des garçons. Ok.
Vous allez à la poteau, c'est ce qu'on a dit. Namboukani. La France. La France, oui. Donc, on était quatre garçons. Il reste les deux là. Et Yinanga. Dans ce cadre-là. Par rapport à votre question qui est très pertinente, parce que je voudrais savoir qu'est-ce que vous entendez par la coutume. Effectivement, ouais. il y a une distinction à faire, une différence à faire entre le ressenti, le vécu, et puis la réalité des choses. Moi, le grand frère qui devait partir m'appelait le cartésien, parce que je remettais tout en doute, en rien. Et votre question, c'était la question centrale, des échanges avec moi, et son épouse. Voilà. Le problème, c'est que, à force de parler avec eux, j'ai compris que ce qui était raconté par les gens qui n'ont pas entendu la source, c'est un peu différent de la réalité même du message. Alors, la coutume, voilà la réponse qu'il m'a donnée quand j'ai posé cette question. Il m'a dit, toi tu es juriste, je veux que tu m'expliques la coutume en droit. Je lui dis, nous, la coutume, ce n'est qu'une source de droit, comme les autres. Comme la loi. Et là où on peut vous comprendre, ça c'est mon développement, c'est que même en droit, dans la hiérarchie des sources, la coutume est classée en bas de l'échelle. C'est-à-dire qu'on vous dit, il y a un problème. On est très d'abord la loi. Qu'est-ce que la loi prévu? Ce qui la loi prévoit est l'autre côté. Il dit maintenant, peut-être qu'il y a eu quelque chose au niveau d'une autre source de droit. C'est pas la jurisprudence. Exact. Mais ceux qui font le droit, c'est-à-dire les doctrinaires, les professeurs de l'université, est-ce qu'ils ont écrit quelque chose là-dessus, sur cette affaire? Ah ben non. Mais qu'est-ce que dit la coutume à propos de cette histoire? Et peut-être qu'on a là la solution. Et vous voyez que pour y arriver, vous avez tout un tas de sources qui sont à voir. Mais même alors, toujours dans la quatrième, vous avez la disposition qui vous dit cette coutume-là n'est applicable que pour autant qu'elle soit conforme à la loi. Et donc ça devient encore un autre problème. On doit trier. C'est des sources de loi. Il faut trier les sources. Ce que j'ai compris de leur révélation, c'est que la coutume, elle enferme plusieurs règles. Mais, selon leur vision, il y a plus de coutumes nuisibles, des pratiques qui sont des pratiques qui freinent le développement humain, le développement des relations, plutôt que celles qui les encouragent. Ce que j'ai encore compris, selon leur explication, c'était que la coutume en soi, c'est pas ça le problème, mais c'est l'intrusion du diable, son appropriation, qu'il pose. Et c'est là où même on voit, peut-être vous allez trouver ce qu'on appelle des pratiques barbares et superstitieuses qui sont interdites. Ça, c'est la coutume. Il y a un mort, il faut faire boire à tout le village des substances qui sont peut-être toxiques pour soi-disant déceler l'auteur du meurtre. Et il y a des problèmes. La solidarité africaine, qui est le pivot même de notre système de vie, c'est-à-dire la chaîne de solidarité. Tout
toi, ta PDC, tu as reçu une vision parce que les liaisons d'avant, que comme il va, n'a rien à voir avec les liaisons d'avant. Quand tu reçois cette édition, cette édition qui se distingue des autres éditions, qui a des principes qui sont posés, que tu respectes jusqu'à là, et ce qui fait que les gens te respectent et croient à ce que tu dis. Parce que les communautés n'ont beaucoup eu. Moi, j'ai un peu d'expérience, mais je n'ai pas encore souvenir d'une émission entendue par la population dont les démentis les faits. Ça, c'est une mission que toi, tu reçois. Et quand il y a un problème, il y a des polémiques, il y a ces déclosures. Ah, est-ce que les déclosures à l'oubli? Donc, on attend que toi, tu arrives là. Parce que la rigueur avec laquelle tu accomplis ta mission est déjà... C'est ce qui arrive avec eux quand ils s'attaquent, non pas à la solidarité, mais au détournement de cette solidarité africaine, qui va faire que dans certaines familles, l'aîné qui a reçu l'aide de l'ensemble, et quand il reçoit cette aide, c'est pour faire quoi? C'est pour transmettre le flambeau. Mais à un certain moment, on constate que non, ce n'est plus le flambeau qui est transmis, mais c'est tout le monde qui doit être agrippé. Au lieu que les gens prennent les hameçons pour aller pêcher, non. Il faut venir ouvrir le frigo pour chercher le poisson déjà pêché. Ça devient un problème. Ça devient un détournement de la solidarité africaine. Cette solidarité africaine n'encourage pas la paresse. Pour eux, ça devient la sorcellerie. Oui, il fallait se séparer d'abord. Pas se séparer, non. Ouais. Pas se séparer. Déjà, montrer que l'ennemi est dedans. L'ennemi s'est approprié d'une valeur. Donc ce n'est plus une valeur. Attention, ça risque de ne plus être une valeur si on continue dans cette logique-là. Parce qu'on freine l'énergie. Et dans leur cas, il se trouve que seule la première famille, enfin, l'aîné, qui a percé, qui m'a aidé, tout le monde s'est mobilisé. Mais tu as essayé de résumer. Et lui, il n'a pas attendu de finir les études hein, pour s'occuper de nous autres. Il a commencé à payer nos minérales quand il était encore étudiant. Là, vous étiez où, professeur? Moi, j'étais à l'intérieur au centre. Ouais. Sous la coutume. Mais on est toujours sous. C'est lui qui est sous la coutume. Qui est allé en Europe sous la coutume, mais supporte les autres sous la coutume. Remplace le mot coutume par solidarité. Okay. Remplace le mot coutume. Parce que le problème, c'est la tabouisation de mots. Ouais. Il faut qu'on évite de tabouiser les mots. Parce que le mot coutume, là, tu vois, même toi, yo, ozo, maîtriser l'indien. Je ne suis pas sûr que tu peux me traduire ces mots ou me donner l'équivalent. C'est quoi la coutume? On était là, j'ai cherché, je n'ai pas retrouvé. C'est un mot qu'on a hérité. Ouais. Ça veut dire que c'est le colonisateur qui arrive et qui dit, ça c'est la coutume. Mais nous-mêmes, c'est quoi qui... Il y a une différence entre la coutume et l'habitude. C'est la pratique même. La pratique qui est, qui se répète, ouais. Qui se répète, qui dit, voilà, ça devient coutume. Ouais. Ça fait pas ça. Il ne faut pas qu'on l'idéalise. En réalité, on ne s'attaque pas à la culture. Donc, ça allait être plus grave si on s'attaquait à la culture africaine. Voilà, professeur, le débat, l'objet de notre émission, ce n'est pas sur les mots ou sur les termes, parce que là, je vous vois déjà dans l'auditoire en train de dispenser cours. L'objet de notre émission, nous aimerions savoir si vous étiez en bonne relation de fraternité avec les défunts, Papa Olangi, ou le ciel vous a divisé. Est-ce que ce lien-là existe encore? Presque. Le combat spirituel a divisé la famille. Oui, c'est ça. Ouais. Là, je vais vous répondre. Dans cette famille, le seul intrus, le seul résistant, c'était moi. C'est-à-dire, tous ces gens avaient peut-être compris à un moment. Mais moi, les doutes
comme tu parles, c'est ça. Et il y a eu ce doute et le temps de percer le doute. Mais il n'y a jamais eu coupure de relation. Parce que chaque fois que je venais de Paris, dans mon état, je passais par ici. Ils étaient toujours surpris parce que moi, ils me retrouvaient devant les protocoles. Quand je me présentais au protocole, me place devant. Et donc lui, en train de pêcher, il regarde, il me voit. C'était toujours comme ça. À ce moment-là, je n'étais pas rejeté. Je ne priais pas. Je veux dire, je n'ai pas suivi les cursus, comme on l'appelle. Permissement, des choses. Pourquoi? Parce que j'ai passé peut-être plus de temps avec lui avant de partir. Et ce qui a été théorisé, ce qui est arrivé après moi, c'est la théorisation. C'est en fait tout ce qu'on a vécu, qu'on a théorisé, qui est devenu le socle. Ce ministère-là n'a pas divisé la famille. Ce ministère, le message du ministère, a amené les gens qui ne pouvaient pas s'aligner à se retirer. Comme moi. Pourquoi? Parce que moi, je dis, je ne accepte que ce qu'on me prouve. Le problème n'était pas dans est-ce qu'on aide la famille ou on n'aide pas, parce que ça continue à aider. Malgré ce que tu vois. Ça continue à aider. Les sacs de riz. Les enveloppes continuent à circuler chez les membres de famille qui étaient là. La seule différence, c'est qu'avant, c'était lui-même qui allait donner, mais peut-être qu'avec ses occupations, c'était maintenant les membres de l'église, ce qu'on appelle les parents sociaux, qui passaient voir les tantes et les membres de famille qui étaient là. Ok, professeur Tolingi, tout aussi dit ses missions, parce qu'il a en fait ses binômes. C'est important cette question-là parce que les réseaux sociaux pullulent de ça. Le combat spirituel a détruit la famille. Quelle famille? Quelle famille? Parce que là, on a la famille de Papoulang, la famille de Mamoulang. Et même à l'intérieur de ces mots, famille de Papoulang, tu as le côté paternel et le côté maternel. Donc c'est encore grand. Et ça s'agrandit davantage. Alors, j'aimerais bien que vous, qui savez faire des recherches, puissiez trouver quelqu'un qui a été complètement banni, je dis banni, à cause de ces ministères. Non, les filles, je prends l'exemple des filles que tu prends. Ils n'étaient pas dans la logique, mais c'est pas, ça avant le combat. Ils sont là. Pas la grande sœur qui est une voix, parce que pour lui, c'était pour les filles, les études et le mariage. Tu n'es pas dans les clous, tu n'es pas en cet état avec lui. Ça, c'était avant le ministère. Donc, celle qui arrêtait les études, c'était pareil avec les garçons. Tu ne vas pas à l'école, c'est ça. Celui qui est décédé, qui venait après lui, il est encore étudiant. Il trouve une bourse de Caritas pour voter moi. Il va voter moi. Il a fait 2 mois. On l'attrape avec la femme du surveillant. Il a failli perdre sa vie là-bas. Donc il a gâché cette occasion-là. Quand il gâche cette occasion, qu'est-ce qui arrive? Il rentre. Lui dit à notre père, j'ai fait ce que je pouvais pour lui. Parce qu'il y en a d'autres qui attendent. Mais là, s'il veut faire ses études à ses propres frais. Ok, professeur, pouvons-nous croire que la mort de papa Olang, c'est vraiment une perte pour sa famille? La mort de c'est horrible comme question. Oui, c'est oui, vraiment... je sais pourquoi je pose cette question-là, parce qu'il y a les membres de famille qui sont là, qui ne sont. Ils ne sont membres de la famille que par nom, par appartenance. Mais en réalité, ils ne sont plus membres de la famille, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus avec la famille. Et il y a des noms plutôt. Alors, vous auriez des noms, quelques noms. Parce que là, cette catégorie-là, ouais. Qui aurait pu être cette catégorie-là,
c'est la maman qui est la dernière qui reste. Notre, celui de nos parents qui était visé comme faisant, peut-être visé dans le sens où ce sont les parents qui transmettent la sorcellerie, soit comme ça. C'est ça qui est l'idée qui est répandue. Mais la première personne qui a eu, qu'on a appelée, que maman Olang a appelée du village, c'est la mère cadette, notre tante cadette, qui est là. Depuis. Ici à Kinshasa. Oui. C'est l'unique qui. Oui, pourquoi je pose toutes ces questions, professeur? C'est pas qui peut se dire. Pourquoi je pose toutes ces questions? Je vais encore reposer autrement, peut-être la question. Professeur Ovandi, Namutu Nayo. Yaya Nayo Yakoufi. Namwasi Naye Oyakoufi. Papa Olangi na Mama Olangi. Bazaki, en réalité, Basali Nanzambe selon yo. Si oui, à travers quoi au Kodi Kolobake, réellement Bazaki Basali Nanzambe. Si c'était une œuvre humaine, ça pouvait même pas être disant. Ça c'est un. Mais dingwa umela dingwe wana biso tozana no bana. Je n'ai pas les éléments pour juger la mission religieuse de Dingwe. Je ne sais pas s'il a même une mission religieuse messianique pour le comparer avec les parents qui viennent de partir. Pour nous, notre génération, Dingwe c'est un tout. C'est une idole. C'est un grand comédien, c'est quelqu'un qui a fait rêver aussi, parce que c'est sportif aussi. Un sportif avec les normes de ce sport. Donc si on veut parler de Dingwe, il faut qu'on prenne les clous de ce secteur-là. On ne peut pas le sortir de là pour le mettre chez les pasteurs, chez les missionnaires, chez les prêtres, par exemple. Non. Ce que je veux dire, c'est que si vous voulez dire que c'est une œuvre satanique, et Satan ne comprend pas Satan. Sinon, c'est un peu compliqué. Mais à Tobina Gagigi, quand moi succès, quand moi tunga, atayo, atazoki balobi, gégé, toujours bien à. C'est aussi un autre volet très intéressant parce que ces serviteurs de Dieu, parce que moi je prends comme sacrifice, n'a jamais fait le buzz avant son album qui a fait succès. On n'a jamais parlé de, dans ce sens-là. Mais curieusement, lorsque son album sort, qui récolte cet succès, on essaie de lui coller des histoires qui sont un peu. Bon, je dis. Pourquoi pas? Si c'est Dieu qui a décidé de s'appeler Guégué, gloire à son nom. Mais est-ce qui peut inventorier les noms de Dieu à travers le monde? Peut-être qu'en Chine, on va trouver Guégué veut dire Dieu. On ne sait pas. Bon. Professeur, ok, merci. Namoni. Papa. Parce que nous sommes au baron, ils allaient pour arrêter la mission initiale chrétienne du combat spirituel. Mais ce qui mission a été par exemple, mon côté à mon pignon a voulu arrêter à nous. Mais il y a un tout le professeur. Bon, il y a un professeur, et mission a été qui moulaï. Alors,
tout ce qui va continuer, œuvre là-bas. On a mon œuvre, il n'était pas abattu. Pour ceux qui ont été pas abattu, c'est tout si là, il y a déjà tout. Le moment où on va le faire, mais plus tout ça qu'on a arrêté, plus ces eaux augmentent. C'est que œuvre, il n'était pas ensemble. Mais à lui, il n'y a plus qu'on a arrêté alors qu'il n'était pas ensemble. Ok. Nazo suki sa, mama namoni bolimbi soki bolimbi boko prier ero. Awe zaraka bolili mwa muke boke bo prier, boyembi mwa muke boke bo prier, yango biso to kima ka place, jamais na koya ko vanda place. Po oyé olié mwa muke yo wanoke ko benga na milimu. Fufu ngo liaki. Bon, ça y est par là. Bon. Oui, oui. Parce que tant que tu me vois là, c'est j'aurais bien reçu ces statuts que lui-même m'a donné de cartésien. C'est lui qui doute. Voilà. Et je lui ai parlé de du doute constructif. C'est ça que tu pratiques. Et c'est intéressant parce que, pourquoi, quand j'ai entendu que c'est des cahiers, je dis oui, c'est important. Dieu merci parce que, au moins, certaines zones d'ombre peuvent être élevées. En tout cas, donner des pistes. Moi, que tu vois, je ne faisais pas de cadeaux. Sur ce point-là, je ne faisais pas de cadeaux. On me parle de cure d'âme, on me parle de ceci, de délivrance, ainsi de suite. J'ai posé les mêmes questions. Et je suis arrivé quand même à la conclusion pour dire, bon, voilà. C'est peut-être moi qui n'ai pas besoin de ce type de ministère. Mais en réalité, il y a des gens qui en ont. Et ce n'est qu'un ministère, il n'englobe pas tout. Ce n'est qu'un ministère au sein de l'Église, et il se définit comme ça. Et un ministère basé sur la délivrance. J'ai un jour dit à maman, qui était le président, moi, le mérite qui saute au-dessus pour moi, j'ai dit, si votre ministère là n'existait pas, l'État allait avoir des problèmes, beaucoup de problèmes, parce qu'il lui faut au moins une dizaine de scènes pépées. Je dis bien, c'est ça ce que je veux dire. Vous avez permis à l'État de ne plus investir dans ces centres, parce que vous faites tout en même temps. Sous prétexte de guérison spirituelle, vous attaquez aussi à la chair et tout ça. Pourquoi? Parce que j'ai suivi un témoignage qui m'a un peu. Et j'étais là. J'ai parlé avec le papa, je l'appelle. Et il y a un de ces membres qui entre, quelqu'un qui est venu. Il dit, papa, c'est lui qui a important. Il est riche, il a ceci, il a autant d'argent, mais il a un problème. Et le monsieur me dit, ma mère veut me tuer. Ça, je ne vois pas. J'étais là. Moi, j'étais de passage comme d'habitude. C'est bon, monsieur, bien ainsi. Riche comme on l'a présenté. Et je vois le vieux qui reste tranquille, il regarde. Votre mère veut vous tuer. Oui. Et comment elle veut vous tuer? Elle veut vous tuer. Et le monsieur dit, chaque fois que je l'appelle, chaque fois que le téléphone sonne, et j'entends qu'elle appelle, et j'entends sa voix, je tombe. Et ben, oui. Il dit, mais ça arrive quoi plus de fois? Et le monsieur dit, mais chaque fois, vous savez que c'est elle qui appelle? Il dit, oui. Pourquoi vous prenez le téléphone quand c'est ce numéro qui apparaît? Ça, c'est l'échange avec la monsieur. Je dis, mais je ne sais pas. Je dis, est-ce que vous pouvez l'appeler? Je dis, mais si j'entends sa voix, je vous prends le numéro. Est-ce que c'est votre mère? Oui, c'est la mère. Il compose le numéro, il appelle. La maman prend. La maman part.
recherche, j'ai des problèmes de santé, j'ai des soins comme ça. C'était ça le problème. C'était ma maman qui a posé. Je cherche à te poser parce que j'ai des problèmes de santé, j'ai plus d'argent, et c'est tout. Et rien ne se passe. Et puis, je lui dis, mais est-ce que tu savais qu'il était malade? Mais non, parce qu'elle veut me tuer. Bon, c'est très bien. D'abord, tu lui envoies l'argent pour sa santé. Après, tu reviens, tu veux payer pour ça. Ah bon. Là, papa Oulang n'a pas dit que non. Ce sont des liens de la famille, il ne faut plus assister. Pourquoi je te dis, tu le trouveras nulle part. Tu le trouveras nulle part là où il dit aux gens aller chasser les parents, chasser ceci, chasser ça. Ce qui s'est passé dans cette famille, c'est qu'un jour, il nous a fait asseoir, il a dit à partir d'aujourd'hui, chez moi, il n'y a plus d'accord. On ne vient pas boire chez moi. Pas de cigarettes. Voilà, on n'amène pas les filles. Donc, on sort. Si à 18 ans, on n'est pas là, j'ai fermé. Tu vois, c'est. Si tu veux suivre ça, tu fais ça. Et puis, chaque jour, de 18h à 20h, il y a prière. Si tu veux entrer, si tu es prêt à suivre ça, tu laisses le chemin avec moi. Mais c'est quand même la dictature. Hein. Comment vous allez imposer la religion? C'est chez lui. C'est chez lui. Mais chez toi, il n'y a pas de règles. Oui, mais professeur, quand même, là on est à la fin, on a déjà débordé, professeur. Quand même, quelqu'un qui est allé étudier, un ingénieur qui a étudié en Europe, qui a travaillé d'abord à la GECAMINE, ensuite à la SNEL, du coup, il abandonne le boulot. Il s'est mis pour attendre les offrandes. C'est la même chose en fait, parler de toi, les études que tu as faites. Pour toi, le journalisme, c'est une vocation. Papier, les études. Combien de fois t'as proposé des choses? Je suis sûr même d'être conseiller de ministre. Mais tu n'es pas parti. Tu avais refusé. Parce que tu sais que tu as reçu une mission. Quand tu reçois cette mission-là, tu abandonnes tout. Nous autres, on a encore la chance d'être des électrons libres, de dire ce qu'on veut, de faire ce qu'on veut. Parce que moi, si je veux, par exemple, aller visiter Papé Désir, je ne veux pas demander la permission. Par rapport à ceux qui sont qui sont consacrés, par exemple, qui vont dire, mais vous avez notre vie maintenant. Il y a même à changer de nom. Prendre d'autres noms. Après, voilà. T'as vu un qui est connu maintenant sous le nom de Kouéliézé, à travers le monde, à travers. Si on parlait à ton père aujourd'hui, il va te demander où est-ce que tu as trouvé l'Indéco. Non, moi, je n'étais pas le l'Indéco. Moi, c'est Tamboué, mon grand frère, j'ai donné le nom de mon grand frère. Toi, tu ne retiens pas de Kouéliézé. Le nom de mon père, ou de mon frère, il est passé où? Merci professeur Maman Nalingi, tout ce qui se passe que ma professeur, ma sœur Kasogi, à côté de l'auditoire, il faut pas l'embayo. Nalingi, Dengue Bozawana, Batumi Bali, Bozawa parole pour nous conclure l'émission. Nini Bakoti qu'on retenir sur le couple Olangi par rapport à Onyo Sobatuba Koyoka, na Oyo Touti Kolobela dans l'émission. Vérité est là que tout le monde doit comprendre que papa Olang et maman Olang, il y a une famille. Il y a une famille qui a rejeté les alliés. Donc, il y a une famille de maman Olang ici. Parce que on est à papa Olang et tout le monde. Il y a un moment s'occuper ils ont le même point de vue à Binoé. Maman Olang a réussi dans la vie. C'est ça. Parce que si ce n'était pas ça, moi je donne que mon exemple est propre. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vivre avec mes enfants ensemble. Mais c'était déjà fini de connaître. Pour Wana, Westling, Oyo Balobaka, Bakacher, donc ma co-fille. Donc, ils ont le droit de battre mon compagnon,
ministre peut-être Bakata Mutu, la commande qui est ingénieur de la route, la musique. Donc, pour moi, c'est moi. Ma Kofi. Tu vois. Mais grâce à maman Olang et papa Olang, la maîtrise de l'Okorana, pour l'Andine Sambi Nambango, pour comprendre ce qu'il fallait faire, les mois-ci, avec quoi respecter mon bal naïe, mois-ci, avec quoi ça. Ok. Tozana suka, papa anali peut-être bope se loba suka. Awa esko, tata soki bozana kati akutimte. Succession zalagate, nani ako succede mutu. Wane za kutimte. Aya succede. Tozo nyika na kutimte. Me, eske buku kiko rasire biso ke, toko yoka, toko yako sala bimishon te. Isko ba emishon andenge mususu. Yandenge, professeur nazo silisa te, bimishon isko yandenge nini. Ke babandiko uwele la. Biloko yo kebaga na yo ngai soki nga na zali est-ce que yo ko lo bayo za mwana muke ainsi de suite est-ce que parce que si tuna makambo a église ao si katen neema papa msuwa na kombo nina oyo akena na makala ouais ali toke pa apotre mbi bayi ba panzani yo gege abimi de l'autre côté ou na côté msusu tolongwe kuna Bima, la même chose. Église Gimani, c'est quoi tu es après, il y a mon coteau au centre. Donc, est-ce que tu peux vivre, Biloko Wanate? Parce que, Dauphin, père, il y a une idée. Moi, le succès, je parle de quelle succession? Au niveau, il y a famille, on va bien dire Pena chez nous. Et Pena, il est là. Alain, qui est l'aîné. Tu vas chercher quoi? C'est celui qui après. C'est, tu parles au niveau de l'église, ça c'est le makam de l'ensemble. Mm. L'ensemble, il faut séparer de ce que nous sommes. Comme nous, quand notre père est décédé, c'est lui, automatiquement, qui est devenu le symbole paternel. Non, mais ça, je te dis en bref, parce que, première coutume. Il y a un professeur. Avant qu'il y ait beaucoup de monde, papa dit qu'il y a On a déjà minimisé certaines choses. Surtout au niveau de la Bissau. On a minimisé certaines choses. Ce n'est pas des questions qui se posent même pas. Ça ne se pose même pas. Ça ne s'est pas posé quand notre père est décédé. Ça ne s'est pas posé quand notre oncle est décédé. Ça ne se posera pas. Parce que, encore une fois, ça c'est un ministère religieux. Alors, le symbole du père qui va protéger ses enfants, il y a son fils aîné qui regarde ses petites soeurs, ses petits frères, ainsi de suite. Mais, c'est même indécent d'imaginer ça. C'est même indécent. Dans les conditions. Oui, c'est important, c'est une question qui se pose. De toute façon, on ne va pas empêcher les gens de. Surtout que c'est une personnalité. Il y aura des rumeurs, il y aura beaucoup de choses. Mais il faut continuer votre travail. J'ai dit, votre travail, en fait, ces groupes-là, moi, je pense qu'à un moment donné, il va falloir que même l'État vous accorde des subventions, vous, pas seulement vous, mais ceux qui ont pris cette option de produire des émissions de valeurs. De valeurs, parce que vous défendez des valeurs. Vous vous battez pour que certaines valeurs ne se perdent pas. Donc, il faut continuer. Je vous ai vu. À la résidence des orateurs, vous êtes aujourd'hui ici. Si vous attendez encore quelque chose qu'il faut éclairer l'opinion, n'hésitez pas. C'est votre devoir. Surtout que on a passé des périodes où on avait vraiment affaire à des types de journalisme de lèche-bottes. Je m'excuse le terme. C'est-à-dire qu'on a plus l'information. C'est comme tu viens de finir là, tu vas lui voir prendre une phrase de ton émission avec un gros titre
encore un mot, c'est dans mon langue. Tu cliques, il n'y a rien. C'est autre chose. Ton mais plan. Les titres alléchants, encore 10 morts chez Mamoulang. Dès que les airs a découvert ceci, tu cliques, il n'y a rien. On parle d'autre chose. Mais c'est horrible. Et ça jette de l'ombre sur le vrai travail qui est fait. Donc, à un moment, je pense que c'est là qu'une suggestion. Il faudrait que vous puissiez arriver à créer un ordre de journalistes d'investigation avec le président de l'ordre et qui, avec une personnalité juridique qui va vous permettre de vous attaquer à ces gens-là qui n'ont rien de journalistes d'investigation. Les professeurs à l'oubli, mais ils allaient une certaine rumeur, ils ont circulé dans la cité, ils ont yébi, ils ont tout dans le quartier des comme ça, ils ont tout dans le Nazo appelle moi Mingi, même quand on a commis à vous. Nandé on a tamboli. Batoua bio, n'engé ni ni bino bosakouna na 17e, n'engé ni bosana matanga, bino famia papola na molangi, boue la biloko. Et ça linga passe na somme. Ok, n'engé tout bien. Eza la famia ya biso, papolangi, famia ya mamolangi, toza moko. Toza moko. Que soit en athée de vivant, il y a ma parent, il y a ma tiki bisou. Oui, moi, il y a ma tanga, toujours les yaya, papa, maman était là avec nous, collé le longo. Que soit en athée, maman, tiki bisou. Que soit en athée, la nini. C'est comme que ça vient de vous dire. Moi, je suis en bazali. Papa, je suis en bazali. Je suis en bazali. Où était le gomme, était le gomme. Alors, je voulais juste démentir cette rumeur-là. Pour nous dire que Bisso est un peu plus long. Il y a un peu plus long, il y a un peu plus long, il y a un peu plus long, il y a un peu plus long. Il faut remercier papa. Sur pourquoi tu as donné cette occasion-là. Je vais juste dire une chose, une petite information. Les deux familles que tu vois là, papa et les airs, c'est impliqué comme ça depuis longtemps. Moi que tu vois, c'est l'oncle de maman qui était M. Labé. La vie, Kaïda, ceux qui ont vécu nous en cours, celui qui a pratiquement, qui m'a pris en charge dès le bas âge, dès mon baptême, c'est son nom. Je ne le savais même pas. C'est après tout simplement que j'ai appris qu'il était la famille de ma mère. Non, mais je ne savais pas. Lui, c'est le collègue de ma mère. Ma mère Zabit. Chiki Moko. Non. Pipitre Moko, collègue de la classe. C'est des familles qui se passent depuis longtemps. On a vécu ensemble, que ce soit à Diallo, que ce soit à l'autre. C'est ensemble, même ici. Il n'y a pas de souci, même ici. Merci. Pas de souci. Je pense que mon salaire à journaliste est à Owana. Et ça, là, il y a des soucis, Mingi, Tango. Quand je suis allé à Kinshasa, au Yokita, au Yika, au Balobaki, est-ce que mon habité va être ici? Donc, les gens qui ont été en train de se faire, les réseaux sociaux et Koinda, est-ce que ça pour encore un nombre de vues? Mais ce que vous conseillez, le bien que vous avez souligné, finalement, quand vous avez vu, vous avez vu qui maillot, vous avez quand même la vérité, vous avez une référence et vous avez la malade. La famille, il y a papa Olangi, ce qui occasionne ce monnaie de la famille, il y a maman Olangi, et ça, tous les salons ont pas embatté, et ça pour encore un cas, au long de la flou, et ça n'a mis tout à battre. On a mis, je n'ai pas le droit, et à pouvoir inventer ma famille et la famille à Batou. Donc on a si, ceux qui n'ont pas le droit, je n'ai pas le droit, je n'ai pas le droit, la moindre des choses, je me déplace, la commune a limité, dans la 17e, tant que je n'ai pas le droit, je n'ai pas le droit, je n'ai pas le droit, pour la commune, la meilleure formation. Merci, Bandego, et c'est qu'il y a des débats, et pas la vie. Merci. congodialogue.com. congodialogue.com.